Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la 4e saison de Culture Sang et Or, le podcast qui débriefe les matchs du Racing Club de Lens, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Dès demain d'ailleurs, vous retrouverez l'Européen à l'occasion de Lens-Arsenal. Mais ce lundi, l'heure est au championnat de France et ça va mieux pour notre Racing. Deuxième victoire consécutive en Ligue 1 pour les hommes de Francaise. 1-0 face à Strasbourg à la Méno. Premier but d'Eli Wahi sous les couleurs rouge et jaune. Nous analyserons la rencontre en première partie d'émission. Nous décortiquerons également l'interview du Big Boss lensois Joseph Hougourlian la semaine dernière au micro de RMC, avant de jouer évidemment à notre quiz habituel. Et puis nous nous plongerons ensuite dans l'Europe grâce à notre invité du soir, l'ancien défenseur lensois, Youl Mawene. Salut Youl, bienvenue dans Culture Sang et Or. Comment ça va? Bonsoir, ouais, merci, ça va super. Je vous remercie de l'invitation. C'est un honneur d'être là. Moi, j'ai fait mon temps à Lens qui était assez court. Et donc, d'être invité, franchement, c'est super. Et puis, j'aime bien le titre de l'émission Culture Sang et Or parce que c'est vraiment le truc, quoi. C'est vraiment le maître mot. Bah avec toi, Youl, on reviendra évidemment sur ton Arsenal-Lens du début du siècle, le Lens-Arsenal de demain, évidemment, avant de nous projeter sur le derby de dimanche. Quelle semaine, messieurs! Et pour bien la commencer cette semaine, bah une équipe de haut niveau, car il en faudra sur le terrain comme au micro. Et comme Florian Sotoca, il laisse ses émotions avant et après les émissions. Pendant, il ne fait de cadeaux à personne, surtout pas au quiz. Guillaume est avec nous ce soir. Salut Guillaume. Salut Lucas, bonsoir à tous les supporters lensois. Alors lui, comme Florian Sotoca, il va nous montrer son vrai visage demain à Bollaert. C'est évidemment une métaphore, jamais il ne rasera sa barbe. Thomas est là également, salut Thomas. Salut Lucas, bonsoir à tous. Et comme Florian Sotoca, il a confiance en ses qualités, le contenu est toujours bon. Il fera tout pour embêter les Gunners. Antoine complète notre trio de chroniqueurs ce soir, salut Antoine. Salut Lucas, salut à tous et à toutes. Les présentations sont faites, messieurs, passons tout de suite à la première mi-temps. De votre côté, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, enfin X. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site internet culturesangetor.com. Vous y retrouverez évidemment nos articles et toutes nos anciennes émissions. Vendredi, Lens affrontait Strasbourg en match d'ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Et quelle façon, jolie façon d'entamer le week-end. Victoire sur le plus petit des scores. Eli Wahi débloque son compteur but sur un superbe enchaînement. Et voilà, succès prometteur. Il y a encore du déchet côté lensois, des frayeurs également. Et pour entamer l'analyse de ce match, votre sentiment, messieurs, sur cette victoire, un mot, un seul peut-être pour résumer ce succès. Et on commence par toi, Guillaume, un mot pour résumer le succès lensois. Je dirais continuité. Ouais, continuité. Antoine, de ton côté, un mot? Moi, je te dirais, on est à 80%. 80%, c'est plus d'un mot. Thomas, de ton côté, un mot? Encourageant. Youl, t'as compris le concept. Un mot pour qualifier le succès lensois? Ouais, alors moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Lens ces derniers temps, mais j'ai trouvé la performance, c'était sérieux, quoi. Ils sont partis là-bas avec des ambitions et c'était un match sérieux. Ouais, sérieux. Du côté d'Antoine également, j'ai l'impression. Tout le monde a acquiescé de la tête. Antoine, sérieux, toi, tu as dit 80%. C'est quoi au-dessus de 80%? Non, bah 80%, en fait, c'est pour dire qu'on retrouve le Racing Club de Lens à 80%, entre guillemets, de ce qu'on a pu voir la saison dernière. Donc, Francaise le dit tout le temps, ça se joue à des pourcents et il faut constamment être à minimum 100% pour vraiment retrouver ce qu'on a vraiment fait l'année dernière. Là, je vois beaucoup de choses quand même qui vont dans le bon sens. On retrouve une assise de la sérénité, on retrouve de la maîtrise. Maintenant, les 15, 20, 25% qui vont manquer, je pense que ça va être dans le réalisme devant le but, ou aussi bien contre Toulouse et surtout contre Strasbourg. Je trouvais que, en fait, on aurait dû réussir à plier le match avant ces derniers instants où on a eu quand même un petit moment de chaud. Ouais, on y reviendra sur ces contres mal négociés. Guillaume, de ton côté également, on retrouve le Lens de l'an dernier? On est sur le, moi je disais continuité, c'est continuité dans notre processus de recouvrement, de récupération, en tout cas dans notre objectif de retrouver notre équipe de l'année dernière. Et je trouve qu'on est dans la continuité du chemin qui nous y amène. On n'y est pas encore arrivé, mais c'est une étape supplémentaire. Et je pense que par rapport à Toulouse, on était dans un contexte différent. Déjà, c'est la première victoire à l'extérieur. On n'a pas encaissé de but
Bon, c'est la première fois de toute la saison, mais là, c'est à l'extérieur, donc c'est d'autant plus remarquable. Et donc voilà, c'est ça qui. Il y a plein de choses que moi j'ai retrouvé la solidité des cadres. C'est quelque chose qu'on avait un peu pointé du doigt depuis le début de saison. J'ai retrouvé un trio quand même de fer devant Brice en bas, un gardien aussi de fer. Et puis il y a peut-être encore au niveau du milieu, il y a des choses positives. Il y a peut-être encore un peu de aussi de choses à retrouver. Mais et puis après on a notre arme fatale, arme un peu nouvelle qui est le gros plus que nous amenait Liwayi. Et là il nous l'a carrément montré que sur un quart d'occasion, il pouvait scorer. Et dans une équipe, quand tu as tes deux extrémités, c'est-à-dire ton gardien et ton numéro 9 qui sont à ce niveau-là, bah, Samba, il fait un arrêt. Wai, il a une demi-occasion. Et bien, bah, si t'es pas exceptionnel, tu peux quand même regagner un match avec ces deux points-là, quoi. Ces deux extrémités. Ouais, Yul, Guillaume évoque plusieurs choses assez importantes, on y reviendra, notamment les cadres, Brice Samba, Danso, le trio défensif. Tu étais défenseur, qu'as-tu pensé justement de cette première clean sheet, de ce premier clean sheet lensois de la saison en Ligue 1? Ouais, clean sheet, ça fait du bien, c'est bon pour la confiance. Moi, j'ai trouvé la charnière, alors à trois, mais je les ai trouvés solides. Derrière, le gardien fait l'arrêt qu'il faut faire en début de match, à part les 15 premières minutes où... il y a peut-être eu un tout petit peu de on a laissé, mais ça c'est dû à l'ambition. Moi je pense que le coach il a l'air de partir. Pour moi, quand je vois le 3-4-3, ça me paraissait un peu la tactique d'être ambitieux comme ça à l'extérieur. Bon, tu prives Strasbourg du ballon, alors ils se mettent en difficulté en perdant 2-3 ballons au milieu qui sont tout de suite exploités. Mais après les 15 premières minutes, pour moi il y a qu'une seule équipe dans le match, hein. Donc pour moi, c'est du solide. Alors après, c'est vrai que bon, quand on gagne pas, il y a toujours un petit peu de nervosité, il y a toujours le côté l'erreur fatale. Mais là, franchement, c'est un match vraiment qui doit les rassurer. Et puis justement, on parlait de continuité, qui doit vraiment apporter de la confiance au groupe. Thomas, je vais venir vers toi. On va évidemment parler de ce fait important, du premier but d'Eli Wahi sous les couleurs sang et or. J'imagine qu'il a été soulagé. En tout cas, on l'a vu soulagé hein, sur le terrain après ce premier but. Il est directement allé voir le banc lensois. Ouais, voilà, soulagé. Et ses camarades aussi sont contents pour lui. Ça se voit tout de suite sur le but, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Et c'est en ça que je dis encourageant, parce que on a nos cadres qui reviennent bien, mais on a aussi les nouveaux qui s'intègrent bien. Et l'entente, par exemple, Sotoka Wai est pleine de promesses, je pense. Sotoka encore une passe décisive pour Wai. Et sur tous les frappes d'Eli Wai, je crois qu'il y en a 7, 5 cadrés, 3 passes de Sotoka. Donc l'entente est pas mal et ça amène de belles promesses pour la suite. Antoine, Thomas, t'es en train de dire que Sotoka est indispensable au Racing Club de Lens? Je l'ai toujours dit. Moi aussi. Je vais la faire toutes les semaines, celle-là. Vas-y Guillaume, à toi alors. Ah non, mais j'ai dit moi aussi par rapport à Thomas, j'ai toujours dit aussi qu'il était indispensable. Et c'est vrai que au-delà de l'association technique, j'ai trouvé aussi un peu bon, Sotoka, il est pas capitaine, hein, mais là sur ce match-là, pas que sur celui-là, mais il est en train de prendre le brassard de capitaine du jeu du centre du terrain, puisque le brassard de capitaine dans les buts, il est pour Brice, et donc il est plutôt en train d'être celui au cœur du jeu. Et j'ai trouvé qu'il l'a pris un peu sous son aile, quoi. On s'est senti que, un peu pas le grand frère, mais il a vraiment, bon, allez, mec, c'est ce soir, ton soir, faut que tu marques. Ça va débloquer toi, mais toute l'équipe. On a bien vu, de toute façon, Thomas l'a dit, mais la réaction du banc, elle est juste, voilà. Bon, s'il y avait un problème d'intégration de Wai par rapport au groupe, bon, bah, je pense qu'on n'aurait pas eu les réactions qu'on a eues. Et vraiment, un bonheur collectif, au-delà de Virtus Cord, que ce soit lui qui marque, voilà, ça, entre guillemets, ce chapitre-là, il est clos. Le fameux premier but qui peut parfois se faire attendre et mettre un peu tout le monde sous pression. Et qu'on rappelle le prix du transfert à chaque interview. Bon voilà, on passe à autre chose. Et donc Sotoka, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est qu'il est en train de peut-être même de s'affirmer aussi encore plus que les autres saisons, au-delà du jeu, même vraiment dans le groupe, même s'il l'était déjà. Mais il a franchi un cran pour moi dans ce domaine. Et puis quel but, hein, Antoine, techniquement. Ouais, non, c'est l'exécution est splendide en fait. On pouvait pas rêver mieux comme premier but pour Eli Wahi.
Il fait, à mon avis, ce qu'on va attendre de lui. C'est-à-dire que quand on l'avait présenté il y a quelques semaines, on avait dit que c'était un joueur qui était à peu près capable de tout faire dans l'élimination, tir du pied droit, du pied gauche, de la tête. Il cadre énormément. Bah là, il fait un peu tout, quoi. Il fait dribble derrière le talon et enchaînement pied gauche avec beaucoup de spontanéité. Effectivement, c'est le genre de joueur qui nous faisait terriblement défaut en début de saison par la prise de profondeur, par cette capacité à être un petit peu imprévisible. Donc c'est très bien. Maintenant, Eliwahi, c'est pas pour autant qu'il a fait un match plein. J'ai trouvé et je pense que tu vas vouloir enchaîner là-dessus après, mais c'est vrai que il a quand même peu pesé collectivement dans le jeu. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Je crois qu'il a touché 15 ballons, un peu moins de 15 ballons dans le match. Donc voilà. Donc Eliwahi, c'est bien. Il a plus cette pression du premier but, mais il va falloir qu'il monte en pression et en puissance sur tous les aspects du jeu. Ouais, je vais continuer encore un peu avec Yul sur des points positifs, notamment l'image de Kevin Danso à la fin, point levé, stimulant un peu les supporters. On a l'impression que cette image a résumé pas mal de choses de ce début de saison. Alors, on parlait de soulagement, j'imagine qu'il y a encore plus que ça, quoi, du côté de Kevin Danso. Ouais, mais en fait, bon, ben, quand tu gagnes pas régulièrement, ben, il y a forcément des fois un doute qui s'installe. Alors on dit oui, le jeu, ça convient, mais les points sont pas là. Et des fois tu gagnes, mais t'as pas la manière. Donc moi, en tout cas, sur ce que j'ai vu, j'ai trouvé le groupe vraiment sérieux. Ils ont justement cet attaquant et puis c'est cette connexion avec les supporters. Quand tu vois les fans dans le corner avec le maillot, tout ça, bon bah c'est je veux dire, t'as tout compris quoi en fait, hein. Et c'est vrai que ce côté-là, bah, le 12e homme en fait, mais c'est vrai que bon bah on les a entendus toute la soirée dans le stade, donc c'est ça aussi, cette connexion. Et puis bah nous, à notre époque justement, on avait justement un joueur dalmate. Et moi, je me souviens que son intégration, c'était pas aussi évident qu'on croyait à l'époque, hein, parce que c'était un peu un électron libre. Et il a fallu parler, il a fallu expliquer, et puis finalement, est-ce qu'on en a tiré le maximum à Lens? C'est ça la question en fait, hein, tu vois. Mais à notre époque, on avait Il a fait aussi qu'un an. Hein. qu'un an, hein. Il a fait qu'un Bah, an. Ah, ouais, il est parti à Marseille après, ouais. Guillaume, ça t'a fait rire les fans dans le corner. Je t'ai vu sourire. Déjà à l'heure anglaise du côté de C'est ça, Yul. les fans dans le corner, ça c'est quelque chose. On peut pas. Yul, il est vraiment en Angleterre là. Il peut pas nous, il nous invente pas un lieu. Il est pas en VPN, hein, depuis Londres. Mais oui, vous voyez ce parcage lensois dans ce virage de la Méno. C'est vrai que bah, quand t'as un virage comme ça en plus dans un stade, c'est vrai que quand t'as bien le triangle entre guillemets, c'est et en plus comme t'es à la vue des caméras, ça fait toujours des belles prises de vue, quoi. Ouais. Autre point positif peut-être. Enfin, en tout cas, Thomas, j'aimerais avoir ton avis sur Nampalis Mendy, titulaire à la place de Salis Abdoul-Samen. Un choix fort en fait aussi du côté de Francaise. Un choix fort et aussi un choix réfléchi sur les trois matchs en une semaine. Ils seront trois pour deux places, ça va tourner sur les matchs demain et dimanche. Après, il est venu apporter ce qu'on attendait de lui, hein, de l'expérience et une belle technicité pour sortir des petits espaces et relancer le jeu et également défensivement de sécuriser devant notre trio de choc derrière. Mais voilà, très très des bons matchs de sa part et encore plein de promesses pour la suite. Ouais, passons un peu peut-être. Vas-y, Guillaume. Mendy, franchement, Nampalis Mendy, il joue juste, il joue simple, il n'y a pas de fioritures, des petites passes courtes, du placement, une maîtrise, voilà, tu sens l'expérience du mec, ce qui nous manquait justement aussi dans cette zone du terrain. Et moi, j'ai bien aimé la faute qu'il fait quand il prend son carton jaune, en fait. C'est une faute intelligente, il prend un carton, mais il faut la faire. Il perd un ballon, il y a peut-être une contre-attaque, un début de contre-attaque, et ben tant pis, allez, il réfléchit pas, il fait la faute, ou il prend son carton, mais après, il gère le match et il sait qu'il va pas prendre le deuxième. Mais voilà, c'est vraiment un joueur d'expérience. On sent vraiment quelqu'un qui est tranquille, en fait. Tranquille. Et je pense qu'il tranquillise tout le monde autour. Ouais, il fait du bien au milieu de terrain. Je vais passer un peu au point négatif. Tu l'as tellement défendu, Antoine, la saison passée. Thomasson, qui a vraiment, encore une fois, au moins deux, j'ai envie de dire, opportunités de marquer, de tuer un peu le match. Bah les Lensois, en fait, nous font stresser vraiment jusqu'à la dernière seconde de chaque match, on a l'impression, cette saison.
Ouais, bah, je pense que c'est les 25% qui manquent avant de redevenir dans une d'atteindre de nouveau une forme d'irrésistibilité. Parce que je pense que vraiment on a une équipe qui est en train de, comme le disait très bien Guillaume, et qui est en train de retrouver en gros ses vertus, de la confiance. Je plus sois tout ce qui a été dit sur Nampalis Mendy, qui je pense est on fait quand même un gros gap d'un point de vue expérience vécue, leadership, caractère. Et maintenant, ce qui manque effectivement, c'est le réalisme devant. Thomasson, j'ai cru percevoir dans les réactions d'après-match qu'il était quand même assez ému de revenir à la méno. C'était son premier match donc de retour à la méno, puisque quand il a signé à Lens au mercato d'hiver dernier, c'était après le Strasbourg-Lens. Donc il n'avait jamais rejoué à la méno avec un autre club que le RC Strasbourg. Et je crois qu'il a été un peu sifflé, ce qui l'a un petit peu peut-être perturbé. Il est deux fois en face à face. Bon, voilà, il va falloir qu'il soit plus létal. Ça n'empêche qu'il fait quand même une entrée intéressante, mais effectivement, sur ces deux face-à-face, il doit au moins en mettre un au fond et il nous aurait apporté un peu de peace of mind pour rester dans l'anglicisme. Moi, j'espère que nos auditeurs sont en tout cas bilingues. Guillaume, De oui. la paix d'esprit. Je voulais compléter sur Thomasson, hein, parce qu'on l'avait en interview d'après-match. Moi, j'ai vu un joueur, le regard vide, un peu livide, assez blanc. Il a parlé lui-même du fait que ouais, le football est bizarre. Quand je suis rentré, j'ai entendu des sifflets. Et pour moi, il était encore KO. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, la télé, les sifflets, je les ai trouvés assez timides. Il y a eu beaucoup d'applaudissements. Mais pour moi, il est rentré sur le terrain. Il n'était pas là du tout. Et enfin, il avançait pas, Thomasson. Et il avait le frein à main. Il n'avançait pas. Je pense qu'il était totalement perturbé par ce qui s'est passé. Et ça fait un peu écho à ce qui s'est passé ce week-end à Nice où bon, il y a un joueur, voilà, qui a tenté de se suicider. Et en fait, on prend toujours les footballeurs pour des surhommes qui les émotions, je reviens dans mon club et je m'en fiche, je change de maillot, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Pas du tout en fait. C'est des gens qui sont aussi fragiles que n'importe quel être humain. Et je pense que Thomasson, il a été vraiment touché par ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je suis assez à se demander si Francaise a peut-être pas senti ça. Après, il a peut-être pas se trouvé de lui parce que, mais bon, il aurait pu faire rentrer Saïd, il aurait pu faire autre chose. Mais là, je pense vraiment que Thomasson, c'est clairement, ça lui a coupé les jambes l'entrée sur le terrain. Et après, ben, il a subi son match. Ouais, Thomas, t'es d'accord avec Antoine et Guillaume là-dessus, sur Thomasson? Oui, bah oui, il y a pas grand-chose à rajouter. C'est ce qui a été dit, on voit dans son interview d'après-match. Et tu lui mets les deux face à face, peut-être demain ou la semaine dernière contre Toulouse, il les met à 95%. Voilà, c'est il y a le Dimanche corps. après-midi, il les mettra dimanche après-midi. Ouais, ou même demain, on ne sait pas. Mais voilà, il y a le physique, mais il y a aussi une grosse partie de mental dans ce sport, hein, et comme dans beaucoup d'autres sports. Ouais, dernière petite question pour Yul, pour terminer un peu cette analyse de la rencontre. Yul, de ton côté, est-ce que tu penses que finalement Séville, on y repense a posteriori, a été un espèce de déclic finalement dans le jeu en soi? Ouais, c'est possible, hein, mais le truc, c'est que quand t'es dans une phase entre guillemets de transition ou de reconstruction ou quand les choses c'est pas aussi simple, mais en fait les meilleures victoires, ben c'est pour moi c'est le 1-0 à l'extérieur, le clean sheet. Et puis c'est vraiment ce dont tu as besoin pour souder. Aller gagner 2-3-0 à la méno, ça aurait été beau, ça aurait été, mais je pense que Lens a encore une marge de progression. On parle de 80%. Moi, je suis assez d'accord, hein. Je pense que là, en plus, bon, il y a des opportunités en milieu de semaine. Vraiment, pour moi, c'est. Mais de passer de ne pas gagner de match à gagner 2-3-0 à la méno, non. Je pense qu'il faut aussi respecter l'adversaire. Bon, même si c'est vrai qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs actuellement à Strasbourg, mais la méno, nous à l'époque en jeunes, on prenait des, nous on avait pris un 4-0 là-bas en réserve. Alors je vais te dire que non non non, chaque chose en son temps. Là c'était vraiment le match solide. Vraiment c'est vraiment la base sur laquelle Lens peut vraiment construire pour moi. Ouais. Messieurs, je vais vous proposer de noter certains joueurs de la rencontre. On en a parlé évidemment. Antoine, je te donne Sotoka. Quelle note tu donnerais justement à notre Flo Soto? Ah, Sotoka, il fait encore un match très consistant. Je lui donnerais un bon 6. Je l'ai trouvé. J'aime beaucoup ce qu'il apporte toujours dans l'intensité. Là, tu sens qu'il a.
Il a peut-être aussi eu un démarrage un peu compliqué physiquement, mais là on sent qu'il, d'un point de vue aérobique, il est vraiment au top. Et du coup, quand t'es bien dans tes pompes et dans ta condition physique, t'as aussi plus de lucidité parce que t'es moins en retard, t'es plus serein dans ton jeu. Et là, je trouve que vraiment on retrouve le Florian Sotoca des grands moments de la saison dernière. Donc ouais, je lui mets un bon 6 et je suis, je veux pas répéter ce qu'a dit Guillaume parce que ça ne servirait à rien, mais je trouve qu'effectivement il prend de plus en plus de place sur le terrain, et je pense que la nature ayant horreur du vide, le départ de Seko Fofana, en fait il est en train d'être comblé par une forme d'émergence, je trouve, de Sotoca. Il a transféré ses critiques, ses râleries sur les arbitres dans le take care, hein, comme on dit, de ses coéquipiers autour de lui, quoi. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Le take care, il est pas mal, hein. Je crois qu'on va sous-titrer l'émission parce que ça va commencer à être super. On va la mettre en podcast, bien sûr, Antoine. Oui, Florian Sotoca, qui était d'ailleurs aujourd'hui en conférence de presse aux côtés de Francaise à la veille du match de Ligue des Champions. Guillaume, tu gardes la main à Machado. Qu'as-tu pensé de la... J'ai pensé que c'était pas un bon match de Machado. c'est pas souvent, donc bon, on peut le souligner. Moi, je l'ai trouvé vraiment emprunté. Tactiquement très très moyen, beaucoup de pertes de balles. Il n'est pas passé sur son côté, il n'était pas dans son match Machado. C'est pas, ça lui ressemble pas, donc c'est tout. On va mettre ça sur le compte d'un accident de parcours, et donc ça fait partie des joueurs qui pour moi n'étaient pas un peu en dessous, et donc j'y mets 4, hein, parce que ça vaut pas plus. Ouais, il avait un client, enfin Saint Thomas. Diouf, dans le cœur du jeu, qu'as-tu pensé de la prestation d'Andy Diouf? Il y a du mieux. On attend que, je pense que c'est le dernier à devoir se libérer, par rapport à tous ceux qui sont autour de lui. Mais on sent que ça va venir et que tout le monde est là pour l'aider. Ni plus ni moins, je mettrais 5, et on attend de lui des grandes performances. Et avec les deux autres du milieu qui tournent, Samen et Mendy, ça va être pas mal sur toute la saison. Yule, enfin, je pense que Diouf, en fait, ouais, il fait vraiment partie pour moi il est dans les 20% en fait qui manquent au RC Lens actuellement. Je pense que clairement, il est encore trop quelconque, trop transparent. Il est pas assez impactant et influent dans le jeu. Mais voilà, je pense que clairement, il est parti fort, je trouve, au début. Et là, j'ai l'impression qu'il stagne un peu et il trouve pas le second souffle. Il est dans le creux de la vague de la courbe d'apprentissage. Yul, t'as compris le concept. Une note sur 10. On a parlé de la défense. On a très peu parlé de Brice Samba, qui sort quand même un arrêt incroyable en fin de match. Qu'as-tu pensé de son match? Ouais, moi je l'ai trouvé serein. Il a fait l'arrêt qu'il fallait faire en début de match pour vraiment calmer les troupes. Et puis derrière, nous à l'époque c'était Varmuz, mais c'est parler, c'est rassurer, c'est le body language, c'est le gars qui est là. Ok les gars, c'est bon. On est OK. Et donc, c'est vrai que dans les moments au début, 10, 15 premières minutes, quand tu perds 2-3 ballons, il y a des espaces au milieu. Bon, non, moi, j'ai trouvé solide. Hein. Moi, je mettrais un bon 7 sans problème. Monsieur, un carton rouge sur ce match, un carton vert. Rouge, pour ce que vous n'avez pas apprécié. Vert, pour ce qui vous a plu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette rencontre? Pas particulièrement. C'est rare. Vas-y, Guigui. Moi, c'est pas sur le match, hein, donc je sais pas si je peux y aller, mais... Vas-y Guillaume, mais je pense qu'on va en parler dans l'actu un carton rouge sur le maillot qui est sorti aujourd'hui là. Alors c'est pas pour le design du maillot, hein, je m'en fous. C'est juste que, et c'est le cinquième maillot, mais c'est même pas pour ça. C'est juste que on est en Ligue des Champions. Ce soir j'ai mis le maillot, c'est le dernier maillot de Lens en Ligue des Champions, parce qu'en 2002-2003 on n'a même pas joué un match en sang et or, enfin en rouge et jaune. On avait déjà joué avec un maillot sans et or, qu'on appelait sans et or, qui était en gros marron et bordeaux, quoi. Ouais. Et donc, ça fait 21 ans qu'on n'a pas été en Ligue des Champions, 25 ans qu'on n'a pas joué avec ce maillot-là en Ligue des Champions. Et l'Europe du football, elle nous a quand même un peu oubliés. Et je trouve que c'est dommage de pas recommencer une compétition européenne avec nos couleurs. Nos couleurs, c'est sans et or. Le stade, il va être sans et or, rouge et jaune. Et on aura des joueurs qui n'auront pas la couleur de leurs supporters. Et ça, moi, ça me pose un problème. Par rapport à ce retour en Ligue des Champions, qu'on n'ait pas notre maillot rouge et jaune, quel qu'il soit, peu importe le design, c'est pas la question. C'est nos couleurs, notre blason, notre emblème, ce dont on est fier. Et moi, j'aurais aimé que l'Europe du football, qui ne nous connaît plus, se dise Lens, c'est les rouges et jaunes, c'est le Racing Club de Lens. Monsieur, faisons un tour de table. Je l'avais prévu de toute façon. Vous l'avez vu, ce maillot
doré, col rouge, clin d'œil évidemment à l'effectif lensois de la saison 2002-2003. Donc dans une vidéo évidemment communicative de la part du Racing Club de Lens, on voit des images d'archives, des nouveaux joueurs, des anciennes gloires du club également. Votre avis, on fait un tour de table. Vas-y Antoine, si tu veux donner ton avis sur ce maillot lensois. Ouais, je suis partagé. Est-ce que il y a 50% de ce que je pense qui va te dire que de moi qui va dire que le pardon? Très pourcentage ce soir. Je suis très 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 pourcentage, ouais. Très pourcentage. Ouais. Je vais payer. Mais ouais, non, il y a quand même une partie de moi qui trouve le maillot réussi. C'est un joli maillot. La communication est sympa. Il y a un très beau rappel à la campagne de 2002-2003. Il y a en plus il y a un message à Papa Bouba Diop, qui m'a beaucoup ému. Donc en ça, je trouve qu'il y a quand même un ancrage et un côté. On reste dans la tradition Air Science. Maintenant, l'argument de Guillaume est absolument impossible à attaquer, dans le sens où il a parfaitement raison. C'est quand même, faut se poser la question. Effectivement, ça fait, on aura joué qu'une campagne de Ligue des Champions avec nos couleurs quotidiennes, et là, effectivement, ça porte un peu à question. Donc, je suis vraiment complètement mitigé sur ce maillot. Thomas, de ton côté? Bah, pareil, mitigé, parce que, en fait, là, Guillaume et Antoine parlent des couleurs et que eux attendaient un retour du maillot Ligue des Champions avec les vraies couleurs. Mais en fait, il y a énormément de monde qui espérait un nouveau maillot or, parce que ils ont pas vécu cette campagne comme nous on l'a vécu à l'époque. Ils étaient plus jeunes, peut-être qu'ils sont arrivés en Ligue 2, et ils ont envie de retrouver ce qu'ont vécu les anciens. Alors on peut parler de Wembley, d'Arsenal et de ce que les anciens ont vécu, et ces anciens qui n'arrêtent pas d'en parler, et comme du retour à Bollaert après au Saint-Lens, tout le monde attendait ce même retour à la fin de saison dernière pour revivre les mêmes émotions que les anciens. Et je pense qu'il y a aussi cette partie-là d'émotion, pas les couleurs, mais le fait de vivre les années bonheur comme nous on les a vécues précédemment. Ouais, on termine par toi, Yul, ton avis sur ce maillot, cette tunique, cette couleur dorée. Ouais, ben moi je suis 100% d'accord avec Guillaume. mais c'est vrai qu'à l'étranger, justement, alors à l'étranger, en Angleterre, quand on dit Lens, alors en Angleterre, ils disent Lens. Ouais. Donc déjà, ils n'ont rien compris. Mais c'est vraiment les couleurs qui marquent, en fait. Et donc, quand on dit c'est l'équipe qui joue en sang et or, tout de suite, ça clique en fait. Et donc, c'est vrai que c'est les couleurs de Lens en fait, c'est tout. Alors, c'est vrai que bon, il y a une histoire aussi par rapport au maillot doré, donc je me souviens très bien. Il y a une épopée, il y a des souvenirs. Bon, de toute façon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je serais plus pour le maillot sang et or. Mais c'est vrai qu'on peut pas enlever le fait que c'est une opération marketing, parce qu'en fait ça part d'une demande qui est quand même qui est pas toute récente. Je pense que la demande, ils l'ont senti venir en augmentant avec la Ligue des Champions qui se rapprochait, et du coup voilà, donc c'est une opération marketing. Et c'est vrai que en ça je donne raison à 100% à Guillaume. Après, opération marketing, je suis d'accord. Enfin, c'est du coup peut-être. Alors, c'est pas la cinquième, mais c'est le cinquième sûrement, parce qu'on aura l'opération Sainte-Barbe. Attention quand même à pas tirer un peu trop sur la corde. Sachant que je suis pas sûr que financièrement soit vraiment le jackpot ces maillots, parce qu'en fait, c'est l'équipementier qui se rince beaucoup. Le club, il bien entendu, il prend sa part. Mais je sais même pas si l'intérêt est financier derrière. C'est plutôt peut-être le côté communication, buzz autour de tout ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et voilà, il faudra peut-être en rester là. Restons-en là, alors Guillaume, sur l'analyse de ce maillot, car il faut avancer, on a encore plein de choses à faire, notamment évoquer l'interview de Joseph Hougourlian. Il s'est exprimé la semaine dernière sur RMC. J'imagine que vous l'avez vu, puisque son apparition quand même dans les médias est assez rare. Un petit événement, on va dire, pour le peuple lensois, hein, près de 45 minutes d'interview, durant laquelle le président a évoqué différents sujets, hein, son arrivée d'abord, les valeurs du club, les joueurs devant coller également à ses valeurs. Il a notamment indiqué, je cite, « ce n'est pas donné à n'importe quel joueur de jouer au Racing Club de Lens ». J'imagine que certains d'entre vous sont d'accord, on y reviendra. Il est revenu aussi sur l'ancrage régional du club lensois, hein, en indiquant que le club régional, c'est Lens.
Et puis, il a évoqué l'avenir, sa volonté de rester président, évidemment, l'ouverture du capital lensois à Side Invest récemment, et son désir également d'acheter le stade Bollard, et enfin, surtout, d'ouvrir la porte à l'actionnariat populaire. Bref, beaucoup de choses. Est-ce que, d'une part, vous avez écouté cette interview, et de deux, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? Antoine, tu acquiesces de la tête, tu es d'accord avec mes propos, alors lance-toi. Non, mais oui, bah, Joseph Ougolan, c'est vrai que c'est toujours plaisant de l'entendre, surtout sur un format bah, radio national, enfin émission l'after, l'émission la plus populaire de France sur 45 minutes. Ça prouve aussi que, bah, en fait, il y a le média numéro un foot en France qui vraiment se penche sérieusement sur ce qui se passe au RC Lens. Alors, Ligue des Champions aide, bien entendu. Bah, Joseph Ougolan, oui, je l'ai trouvé assez serein. Il a pas, il a dit des choses, mais il a pas non plus fait de déclarations fracassantes. Il était vraiment dans son rôle d'occupation de l'espace médiatique, j'ai trouvé. Et voilà. Après, tout ce qu'il a annoncé, bon, on commence à prendre l'habitude de voir des faits suivis, des actes suivis des paroles avec Joseph Ougourlian. Donc voilà. Donc je pense que le club va dans la bonne direction. Et globalement, je suis vraiment rassuré de l'entendre se projeter autant à moyen long terme au Racing Club Lens, que je pense que c'est une présidence forte. Et là où il y a un truc, moi, que j'ai vraiment noté, que t'as pas cité, que j'ai vraiment apprécié dans son interview, c'est qu'à un moment, il a dit qu'il y a tellement de moyens, en fait, de trouver des leviers, en fait, pour améliorer les finances d'un club, plutôt que d'aller toucher à des symboles sur lesquels les supporters sont très sensibles. Il parlait notamment de l'écusson et du naming du stade. Donc voilà. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir que il a beau être dans une modernité, voilà, le maillot, etc. Ça c'est de la continuité dans le débat. Mais en même temps, il y a une volonté de préserver l'héritage et le patrimoine du RC Lens. Et ça, je trouve aussi que c'est quand même assez intéressant. Ouais, exercice réussi, on a l'impression, hein, du côté de Joseph Ougourlian. Quelqu'un veut réagir? Thomas, Guillaume, Yul, peut-être sur... Vas-y, Guillaume. Ouais, moi déjà, là, quand je l'ai écouté à la fin, et, moi, j'ai bu ses paroles, bien entendu, j'ai trouvé ça tellement fluide et tellement logique. Le diagnostic, qui on est, pour savoir où on va, faut savoir qui on est, comment on fait pour aller là où on veut aller. Et tout est tellement logique, en fait, fluide. Et c'est un plan qui se déroule presque sans accroc. Après, il y a le temps qu'il faut parce que le football, comme tout business, mais enfin, c'est pas un business, mais je veux dire, même quand tu reprends une entreprise, et si tu veux des valeurs, tu as une stratégie, c'est bon, voilà, il faut le temps, et le temps, il le prend. Mais moi, à la fin de l'interview, je me suis dit, quelle chance on a eu d'avoir ce mec-là qui est arrivé chez nous par hasard, par l'Atlético, par ses copains espagnols. Au moment où il s'est retrouvé actionnaire majoritaire à 100% sans vraiment à la base le vouloir, et puis bon voilà, il s'est imprégné de ça et maintenant tu le sens vraiment convaincu. Et j'ai aussi beaucoup aimé son passage sur les élites et sur le foot en France, comment c'est vécu, sur les droits TV aussi, même si j'étais un peu surpris de son... Après, je pensais à une position aussi un peu peut-être mesurée, mais j'étais un peu surpris qu'il valide un peu la stratégie un peu de l'AFP, mais bon, bref. Mais globalement, c'est un discours qui est porté vers le sportif, vers l'économique, vers les supporters, vers les valeurs, vers l'histoire, l'enracinement régional. Voilà, pour moi, c'est un sans faute, quoi. Je vois pas ce qu'on peut. Non, mais t'as raison, Guillaume. Interview riche, exercice réussi du côté du président Lensois. C'est là-dessus que je vais siffler la pause, messieurs, on doit avancer. Et qui dit pause, dit quiz. Et vous en doutiez, j'imagine, un quiz spécial. Arsenal Lens, quand même, hein. On a un joueur ici qui a joué ce match au début du siècle. Mais d'ailleurs, avant de commencer ce quiz, Yul, je te laisse choisir ton coéquipier. C'est un quiz par équipe. Deux équipes de deux. Vas-y, Yul, choisis ton coéquipier. Allez, je tire au sort. Antoine. Alors, Yul et Antoine. Guillaume face à Guillaume et Thomas. Ouais, messieurs. Alors, quel quiz on va avoir? Un quiz mort subite, Yul. Le 6 avril 2000, tu jouais avec Lens la demi-finale de la Coupe UEFA. C'était face à Arsenal, c'était à Highbury, défaite 1-0, des sangs et or. L'une après l'autre, chères équipes, chaque équipe devra me donner un des 22 titulaires de cette rencontre. La première erreur donnera la chance à l'autre équipe de l'emporter, évidemment. Yul, tu commences. Un joueur des deux équipes qui a démarré la rencontre, s'il te plaît. De Lens et Arsenal, hein. De Lens et Arsenal, ouais. Varmis. Oui, c'est bon.
Donc l'autre équipe, c'était Guillaume et Thomas. Guillaume. Yulma Wene. C'est bon. Vas-y, Antoine. Thierry Henry. Non, suspendu. Aïe, 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 aïe. C'est vrai? Ah, c'est dur. Henri, quoi. Henri, quoi. Ah, c'est dur. Allez, c'est bon. Bon, j'aurais fait deux grosses semaines et puis voilà, on retourne à la normale. De toute façon, on était en retard sur le planning, donc ça tombe bien. Messieurs, passons à la suite. Allez, attendez, attendez. Au moins que Yul donne un autre joueur quand même pour. Alors, Yul, t'étais avec Antoine. Que Thomas, pardon, donne un joueur pour valider cette. Yul avait dit qui en premier? Rémi Garde, Thomas. Koulibaly. Koulibaly, non plus. Oh là 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 là, on est non, de mais l'équipe de l'entraîne revient dans le game. Vas-y, Yul, à toi. Nwanko Kanu. Ouais, Kanu, c'est bon. Alors, Yul, tu faisais la charnière avec Ferdinand Colli ce soir-là. C'est bon. C'est ça. Vas-y, Antoine. Du coup, je vais dire Charles-Édouard Corrigan. C'est bon. Thomas. Numéro 2 sur le maillot. Oh, mais attends, c'est quoi ça? C'est par équipe, non? C'est par équipe ou pas? J'étais parti sur Nouma. Ouais, Nouma, c'est bon. Vas-y, Yul. Sico. Ouais, c'est bon. Vas-y, Guillaume. Olivier Dacour. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là, balle de match. Oh là là, balle de match pour terminer ce quiz après une première réponse horrible. Elle est pour moi la balle de match hein. Elle est pour toi la balle de match. Oh là 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 là. Emmanuel Petit. C'est bon, ça passe. Oh là 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 là. Pour Nicolas et Antoine. Ouais, Siman, Grimandi, Dixon, Cézinho, Vieira, Parlor, Overmars, Cudru, Nierco, Blanchard, Brunel, Moreira. Il y avait du monde, messieurs. Il y avait Bergkamp, vous n'avez même pas nommé le buteur de cette rencontre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe, 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 Guillaume. Combien de défaites, Guillaume, cette saison au quiz? C'est l'une des premières, je pense. Hein. Ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Deux d'affilée, je crois. Hein. Mais on commence à mettre du suspense match, dans le quiz. Match nul la semaine dernière, match nul. Deux. Bon allez messieurs, avançons, vous l'avez vu, si vous nous suivez en live, vous l'avez entendu, si vous nous écoutez en podcast, Yul Mawene nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir, ancien défenseur de Preston, il nous en parlait avant l'émission, de Derby, de Lens entre autres, et on vient de l'évoquer, et évidemment nous allons parler d'Arsenal-Lens du 6 avril 2000. Yul, question toute simple pour commencer ce petit entretien. Que retiens-tu de ce match des débuts compliqués, hein, Denis Bergkamp marque très vite. Mais que retiens-tu, toi, personnellement, de cette rencontre? Je crois que, en fait, moi, j'ai oublié déjà, d'une part, moi, j'ai beaucoup oublié. La plupart de mes matchs, il y a très, très peu de souvenirs que j'ai, en fait. Et c'est en revisionnant le match. Mais c'est en fait justement, je suis en train de me dire, justement, les supporters lensois, tu sais, dans le match, on commence à se faire enfumer, au bout de 2 minutes, on prend un but. Exactement. Mais par contre, le bruit, il vient des supporters lensois pendant toute la première mi-temps. Et il y a un moment donné où tu sens que le public anglais commence à se dire, il y a un truc qui ne va pas, quoi. On est à 1-0, on devrait être à 2-3-0. Ils continuent à être les plus vocaux. Et en fait, le souvenir que je garde, c'est vraiment ça, quoi. C'est que bon, il y a le 12e homme qui est là avec nous. On est un peu dans la tempête. Et puis, on tient, on arrive à récupérer une défaite 1-0, mais où on se donne des chances de pouvoir aller en finale au match retour avec tous les retours de blessures et de suspensions. Donc, c'est vraiment ça pour moi, ouais. Quelle a été ta réaction au moment du tirage quand tu as vu justement que Lens et Arsenal allaient se retrouver donc 24 ans après, 21 ans plus après? Quelle était ta réaction quand tu as vu ça? De la nostalgie, de la mélancolie ou de... Ouais, mais moi, mes années Lens, c'est mon enfance en fait, puisque nous, c'était Stade Léo Lagrange. Donc, on était au centre, on allait s'entraîner. Bon, c'était les Daniel Leclerc, c'était les Georges Tourné. Donc, pour moi, je me revois. Bon, moi, je suis de Caen, j'ai quitté ma campagne, j'arrive là. Bon, t'as des gamins qui viennent de droite, de gauche, de région parisienne, etc. Donc, nous, pour moi, c'est mon enfance. Donc,
quand j'y réfléchis, bon, je me dis, alors, et à la fois, je me dis aussi, j'aurais jamais dû être là, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je crois que je devais être sixième ou cinquième défenseur central, et donc en fait, il fallait vraiment une hécatombe pour jouer. Et puis à l'époque, je veux dire, Lens a gagné en 98, la Coupe de la Ligue, c'est avant ou après? C'est 97? 99. Donc là, on est là. Alors pour nous, c'était les Wallem, c'était vraiment le top. Et donc, pour s'incruster à l'époque, il fallait, nous, les entraînements, on était vraiment, nous, c'était comme des matchs. Hein. Nous, on y allait, on jouait les entraînements comme si c'était des matchs, quoi. Et donc, bon, ben, à cette époque-là, je crois que Daniel n'était plus là. Et donc, le groupe était un peu moyen, je crois, cette année, les résultats étaient peut-être un petit peu moyens. Et puis, bon, bah, blessure, hécatombe, coup du sort, ce qui fait que, bon, bah, je me retrouve là, quoi. Hein, donc, et puis après, bah, quand il y est, ma foi, après, pour moi, c'est un match comme les autres. Hein, ouais. T'approches le match, bon, ben, tu le traites comme un match un peu comme les autres, quoi. Hein, et puis, ça, j'avais une question là-dessus. Vraiment, quand tu es joueur, parce qu'en plus, tu étais très jeune, tu avais 20 ans, tu avais vraiment très peu d'apparitions en professionnel. Est-ce qu'on arrive vraiment à se dire demi-finale de Coupe de l'UEFA à Highbury, je prends ce match comme un match normal? On arrive vraiment, quand on est joueur pro, à faire ça? Ouais, complètement. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'avais approché le match. Après, c'est on me l'a dit en fait au dernier moment. C'est-à-dire que je crois que j'ai dû l'apprendre la veille. Donc, j'ai pas eu ce temps pour cogiter. Ils auraient pu redescendre. Je crois que c'est Niarco qui joue qui est devant la charnière. Donc, ils auraient très bien pu changer, voire même mettre Sikora avec Colli aussi. Ils auraient très bien pu. Et donc, à l'arrivée, le fait de réaliser tard fait qu'en fait, tu te poses pas de questions. Moi, je me suis pas posé de questions. Et puis, j'ai eu les je crois que c'était Dacour qui était venu, Nouma aussi, au niveau des jeunes, c'était des mecs qui étaient vraiment, qui comprenaient vraiment, ben, le gars du centre, c'est-à-dire, bon, ben, nous, il a fallu trimer pour qu'on arrive ici, ouais. Si tu veux. Et donc, moi, je me souviens que Dacour était venu, m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, tu vois, s'ils font ceci, tu fais cela, tout ça, et puis ma foi, tu crois, c'est des demi-mensonges en fait. Est-ce qu'il y avait un écart vraiment de niveau entre Lens et Arsenal à l'époque, et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le match de demain, par exemple? Ouais, alors à l'époque, l'Arsenal, c'était, quand tu vois l'équipe, c'est vraiment le grand Arsenal. Disons que l'avantage entre guillemets, c'était que Henry, lui, était suspendu, je crois, ou blessé pour le match aller. Et donc, en fait, il fallait juste cadenasser Bergkamp et Nwankwo. Et donc ça, c'était pas évident qu'à nous. Mais au niveau des parallèles, bon, bah, nous, notre équipe est affaiblie parce que même Colli, à l'époque, il joue pas beaucoup. Hein. Mmh. Il joue pas là, en plus. Quand il joue, c'est plutôt latéral, en fait. Mmh. Exactement. Et puis derrière, bah, y a mon pote Kedru qui est à gauche. Donc c'est pareil. Bon, même si lui, s'était quand même imposé cette année… En fait, il s'était imposé, hein, il avait gagné sa place, hein, et donc et quand je revois le match la première mi-temps, en fait, je me dis, tu sais quoi, Coridon, il est fort. Je me dis, punaise, je te jure, c'était un super joueur. Je me demande des fois s'il manquait pas de belief, tu vois, il fallait qu'il croie en son potentiel, mais c'était un super joueur. Sur la première mi-temps, je me dis, waouh, il fait vraiment une super mi-temps. Et puis, mais en fait, bon, quand tu arrives de toute façon à ce niveau-là, en fait, le truc, c'est que, bon, au group stage, hein, quand tu arrives à un knockout, demi-finale, quart de finale, tout se joue sur un match, sur des bouts de match, sur des détails. Et donc, en fait, Lens, cette année, ben, même si on a eu une saison moyenne en championnat, on a mérité d'être là. Hein. Mmh. Quand tu vois le match de Vigo, le match à l'Atlético, tu as Hasselbank, tout ça, tu vois. Donc, tu te dis, franchement, les mecs, ils ont mérité d'être là. Et quand tu vois la finale Galatasaray, Arsenal, tu dis, tu sais quoi, si on fume Arsenal en demi, punaise, je peux te dire qu'on est pas loin du titre, hein, cette année. Hein. Franchement, hein, quand tu regardes l'effectif qu'on a, waouh. Peut-être pour Yul.
Ouais, je voyais que tu avais enlevé ton. Ouais, bah, moi, Youl, bon, je voulais parler de. Bah, tu fais quelques apparitions, tu loues ce match. Et du coup, qu'est-ce qui explique qu'en fin de saison, tu pars, puisqu'en fait, bah, tu es en train de progresser. L'année d'après, il me semble que la charnière centrale, c'est il y a Franck Dumas qui arrive, avec Roland Courbis. Franck Dumas, et ça doit être Dumas-Pierre Fanfan, la charnière centrale. Et je pense qu'il y avait peut-être un peu de place pour toi, bah, pas effectivement en titulaire, mais en monter un peu dans la hiérarchie. Tu étais peut-être 5-6, tu aurais peut-être pu passer 4, et puis progressivement, bah, pour faire ta place à Lens tranquillement. Pourquoi tu es parti en Angleterre? Comment tu peux nous expliquer ça? Ouais, alors coup du dé, je crois que j'en ai jamais vraiment parlé en fait parce que ça me reste beaucoup sur le cœur un petit peu. Bah, parce qu'en fait, bah, Lens, c'est ma jeunesse. Hein. Moi, j'ai tout connu à Lens. Hein. Moi, ma première copine, je suis assis dans la tribune à gauche, dans la droite, là, quand on sort, je suis là dans la tribune et t'as des copains du centre qui me disent, oh, regarde cette petite copine, cette petite nana, elle t'aime bien et tout, tu sais. Donc, moi, Lens, c'est ma jeunesse en fait, si tu veux, tu vois. Et donc, j'en ai jamais parlé parce que j'ai un peu de rancœur par rapport à ça. Bon, mes frères sont passés à Lens après au centre aussi, et je pense que ça s'est mal fini en fait à ce moment-là. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais joué. Il y avait des discussions de contrat, etc. Pour rester. On parlait aussi de prêt, donc on disait ouais tu restes mais ça va être, tu vas être prêté. Alors à l'époque il y avait beaucoup de changements. Roland avait récupéré l'équipe et en fait je me disais un petit peu qu'est-ce que je fais quoi tu vois et j'étais là. Alors j'avais repris à Lens mais j'avais pas de contrat. Et puis il y avait des discussions. Je me disais bon ça n'avance pas etc. Alors moi j'avais pas d'agent à l'époque. C'était mon père et c'était moi que, je veux dire, nous, on recevait, je veux dire, on demandait rien, quoi. Et puis finalement, je me suis assis avec Roland, donc j'ai été au stade les nouveaux bureaux, tout ça, et puis, aïe, 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 quand j'ai quitté, j'avais mal au cœur, j'étais dépité. Je me suis assis, on a eu une conversation avec Roland, mais moi, j'étais, bon, moi, j'ai 20 ans, je peux pas tenir une conversation d'adulte. Hein. Moi, Ouais. pour moi, dans ma C'était pas tête, ton point, hein. j'étais jeune, j'avais rien vécu. Hein. Et donc, Et puis c'était Roland en face, quoi. c'était Ouais. Roland. Et il me Youl, dit, je vais te voilà. dire quelque chose. Et Peut-être que donc, tu vas jouer, mais peut-être que tu ne vas non, pas non, jouer. non, non, c'était ça. Et donc, il me dit, bon, voilà, moi, j'ai entendu des bonnes choses de ta part, mais voilà, moi, je vais être honnête avec toi, tu vas pas jouer. Voilà. Et je suis sur le point. Alors, est-ce qu'il y avait un Hugo? Je sais, il y a un Hugo qui est passé en défense centrale à ce moment-là ou pas? Il y a Baseball qui aurait décroché un peu avec Baseball. C'est peut-être ça. Il m'a dit, voilà, Jouer des fois dans la charnière. Hein. ouais, il m'a dit, en fait, il m'a dit clairement, tu n'es pas dans mes plans, mais voilà, il faudra gagner ta place, tout ça, puisque je savais ça. Et après, il a glissé, voilà, il m'a glissé entre guillemets, bon, j'ai entendu que tu avais des touches en Angleterre, et il a rajouté, bah, si j'étais toi, je les considérerais. Et donc là, mais quand t'es gamin, mais moi je suis un gosse, hein. Et donc je suis là, je me dis, waouh, ok, donc je vais essayer de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire en fait. Et là, La capacité de comprendre, hein, j'ai l'impression. ouais, mais ma tête, mais quand t'es jeune, tu sors de là, t'es un tourbillon dans ta tête en fait, si tu veux, tu vois. Et en fait, il y avait vraiment rien de planifié en fait, ce qui fait que bon bah, ce qui s'est passé, c'est que on a pris, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Derby County, en fait. Et donc, et à Derby, ça s'est fait, mais ça s'est fait comme ça, quoi. Parce que moi, j'ai débarqué peut-être une semaine après. Donc, j'ai eu ça. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Et donc, les choses traînaient, traînaient, traînaient. Résultat, j'ai sauté dans un avion qui m'a amené à Derby et puis depuis je suis resté en Angleterre, ça fait 23 ans en fait. Donc en Parfait. fait, mais ça s'est fait tellement rapidement que en fait, tu sais quoi,
Ouais, tu réfléchis pas trop dans ces moments-là, j'ai l'impression, j'imagine. Ouais, Lucas, complètement. Là, tu es vraiment. Deux jours après, tu es là, tu signes un contrat, tu sais même pas où tu es. Et quand je repense, c'est fou, quoi. Tu vois, même. Moi, je ne le referai pas parce que là, tu n'as aucune garantie, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas le club, tu ne connais pas les structures, tu ne connais pas l'entraîneur, tu ne connais pas la langue, tu ne connais rien, rien du tout. Et quand je réfléchis, je me disais, mais punaise, mais on est fou, quoi. Et Je vais devoir te couper là-dessus, Yul. On va continuer d'avancer. Il nous reste encore un peu avec. de parler d'Arsenal et de Lille. Mais merci en tout cas pour cette petite anecdote. Thomas, demain soir, l'hymne de la Ligue des Champions va retentir à Bollaert. On a l'impression que plaisir est le seul mot d'ordre, que le résultat est limite secondaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Ah, ouais, avant tout, prendre du plaisir, mais si on peut ouais, si on peut les fumer, on y va. Il y a pas, on attend ça depuis tellement longtemps. Et moi, pour l'anecdote, il y a 3 ans, je me suis fait opérer anesthésie générale et l'infirmière me dit pensez à un truc de bonheur. Et en fait, je me souviens me voir la Marek pour un match de Coupe d'Europe. Alors, c'était l'Europa League que j'avais rêvé. Hein. Et voilà, et 3 ans après, on y est déjà et en ayant connu toutes ces galères. Voilà, prendre du plaisir, mais on sait que l'ambiance, elle va pas être folle. On attend ça tellement depuis longtemps que souvent les matchs, l'ambiance est pas terrible. Donc prenons du plaisir, lâchons rien en tribune. Et les gars, on sait qu'ils vont rien lâcher sur le terrain et ils nous ont tellement surpris depuis 2020 que on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Et que ce soit match nul ou victoire pour nous, peu importe. Ouais, Antoine, évidemment, je connais. On a l'impression que c'était l'adversaire souhaité par une partie des supporters, partie des suiveurs du Racing Club de Lens. Hein, tu vois, même si elle date, on a l'impression T'es en train de me chauffer là. Là, t'es en train. Tu veux. Là, tu veux me faire dire des trucs. Tu veux Culture 100 heures buzz là un lundi soir de mois d'octobre. Là, c'est. Non. Non, mais c'est une histoire européenne C'est singulière voilà. en tous les deux cas. C'est un adversaire. On va dire que pour retrouver la Ligue des Champions à Bollaert, Arsenal. Effectivement, on pouvait pas entre guillemets rêver mieux parce que on a un contentieux avec eux. Parce que ils nous ont sortis de demi-finale de UEFA. Et voilà, et il y a cette histoire avec ce fameux latéral droit anglais et tous ses copains de l'arrière-garde. Non, effectivement, j'espère juste une chose, c'est que les joueurs, en fait, le match va être forcément très très dur. On joue face à un top 3 du football anglais actuel. Ça va être très compliqué. J'ai envie de dire que si Arsenal est à 100%, on a très peu de chances de l'emporter. Maintenant, il faut que les joueurs surtout ne fassent pas le match ce soir dans leur tête et que demain il y ait une sorte de confusion entre une folie dans les tribunes que j'espère quand même. J'ai malheureusement pas la chance d'y être, mais j'espère vraiment que les tribunes se lâcheront parce qu'il n'y a aucune raison d'être stressé demain. Il n'y a aucune raison de jouer, de ne pas chanter, de ne pas faire la fête et de ne pas s'époumoner pendant 90 minutes. Et j'espère que les joueurs, eux, vont être dans une dynamique qui va coïncider en fait avec les tribunes de Bollaert. Et c'est dans ces moments-là en fait que potentiellement on peut renverser les montagnes. Yul, je reviens vers toi. Quel conseil donnerais-tu à Yul Mawené s'il devrait affronter à Saka ou Gabriel Jesus demain? Un match de DH à Léo Lagrange en fait hein, donc Restez casse simple. des jambes casse des jambes Restez simple. ouais et puis mettre le pied quand il faut même si aujourd'hui il faut se méfier quand même. Guillaume, je viens vers toi. Quand on analyse le visage lensois face à Séville et l'impact aussi hein, qu'a eu ce match sur l'état d'esprit, des sang et or, on a le sentiment que Lens ne veut pas manquer son rendez-vous avec l'Europe en tout cas. Qu'on a remarqué, c'est qu'ils n'avaient pas été paralysés par l'enjeu, hormis peut-être les 10 premières minutes. Et là, comme Antoine l'avait brillamment dit la semaine dernière, on est dans la Ligue des Champions. Maintenant, on y est. On arrête de dire ça arrive, on est dedans, donc c'est fini. On arrête ce premier rideau, on l'a passé. Donc maintenant, on est dedans et on fait partie des 32 équipes et notre place, on la mérite. Moi, ce que je pense par rapport à Arsenal, c'est qu'effectivement, c'est bon, la première ligue, on va pas faire l'écart de niveau entre la Première Ligue et la Ligue 1, bon voilà, tout le monde en est conscient. Après, je pense que malgré tout, le Racing Club de Lens de 2023 et la saison dernière, il a un jeu presque, j'ai envie de dire, européen. On a un jeu qui est fait d'intensité, de transition rapide, d'un système d'ailleurs quand même qui peut être
quand même embêtant ce 3-4-1-2. Arsenal, pour moi, c'est plutôt un 4-3-3. On n'est pas à l'abri hein, que Francaise il leur pose beaucoup de problèmes avec son système. Et comme je le dis, on a cette capacité à peut-être se mettre au niveau sur un match avec cette capacité à répondre justement à l'intensité que la Première Ligue, que les Anglais mettent et que souvent font mal aux clubs français parce qu'en fait, je me rappelle même du Marseille-Tottenham encore l'année dernière. Voilà, c'est à un moment, ça lâche à la fin. Quoi. Donc, on verra ce que nous, on est capable de faire. Mais effectivement, il faudra que tous nos joueurs soient à plus de 100%, qu'Arsenal nous prenne peut-être pas de haut, mais un petit sentiment de supériorité des Anglais, hein, ce qui serait pas... Un petit Farmer League feeling. Voilà, c'est ça, ce qui serait pas loin d'être exceptionnel. Et puis après, un match qui tourne dans le sens avec... puis, comme dit Thomas, peut-être effectivement, il y a la crispation qui fait que le supporter, l'ambiance, elle est peut-être pas au coup d'envoi. Elle va peut-être pas réussir à durer dans la continuité, mais peut-être le match peut aussi créer quelque chose avec des événements sur le terrain. Je sais pas, l'apparition de Lee Dixon, un truc comme ça. Enfin, chose qui motive un peu tout le monde. En hologramme. Et ouais. Puis après, ça reste un match et Arsenal est à 3-1 et du coup, ils viennent peut-être un peu tranquilles. Je suis d'accord avec vous. Je pense que effectivement, désolé, je fais une toute petite. Vas-y. Je pense que en fait, c'est typiquement le genre de match. Je suis d'accord avec Thomas là-dessus. C'est que c'est typiquement le genre de match où en fait, l'ambiance peut être la conséquence de ce qui se passe sur le terrain plutôt que l'inverse. Mais moi, je souhaite de tout mon cœur que ça soit pas le cas. Mais c'est vrai que c'est tout à fait le genre de match où s'il y a 0-0 à la 60e minute, tu touches le doigt en exploit possible et il y a une forme de contemplation des tribunes. Mais enfin, je le souhaite de tout mon cœur que ça soit pas comme ça que ça se passe demain. Ouais, autant Lens a une belle semaine, mais Arsenal également. Arsenal qui affronte Manchester City ce dimanche. Côté Gunners, seuls Martinelli et Timber étaient absents à l'entraînement aujourd'hui. Thomas, tu penses que Arteta va mettre la grosse armada ou ça va faire tourner côté Gunners? On parlait justement un peu de sentiment de supériorité. Peut-être que Lens peut profiter de ça d'une certaine façon. Ouais, comme Hayes va faire tourner. Voilà, on n'aura pas forcément l'équipe le 11 titulaire. On sait que la saison est longue et il y aura forcément quelques changements par rapport à leur match de ce week-end et il y aura des changements par rapport au match qui arrive. Les matchs en 2023 sont assez intenses pour ne pas reconduire le 11 type sur 3 journées d'affilée. Donc forcément qu'il y aura des changements, mais des deux côtés. Nous, les interrogations sur Lens, ce sera sur les pistons et le trio au milieu, et entre Thomasson et Fulgini en attaque. Mais ça, on a déjà la moitié de l'équipe qui est faite sur le papier. Youl, je viens vers toi, c'est toi qui a joué pro. Comment justement on gère une semaine de telle ampleur avec deux gros matchs très importants? Comment on gère ça émotionnellement et physiquement en fait? Ouais, c'est intéressant, surtout le côté émotionnel, c'est surtout ça, parce que c'est de se remettre des émotions qu'on a en fait, plus qu'autre chose. Parce que physiquement, aujourd'hui, avec la préparation physique, tout ça, franchement, les joueurs peuvent enchaîner. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Après, sur des séries de matchs comme ça, depuis que t'es gamin, tu rêves de ces séries de là en fait. Donc on parle d'Arsenal qui joue à Lens, qui joue Manchester City. Pour eux, ils sont habitués aux gros matchs, donc pour eux, c'est j'ai envie de dire, c'est un match comme les autres presque en fait. Hein. Mais après, Lens, ils ont mérité d'être là. Les supporters ont mérité d'être là. Donc par rapport à ça, ils ont pas à souffrir de la comparaison, moi je pense. Hein. Honnêtement, hein, je pense qu'il faut les rentrer dedans. Et puis on a des joueurs pour jouer au ballon. Là, il y a pas de pression à avoir. Hein, faut y aller. Ouais, vas-y Antoine. Je pense que c'est excellent. J'aime beaucoup ce que dit Youl, mais moi je pense qu'on a même des joueurs. Première ligue en fait compatible, c'est-à-dire que tu prends Brice Samba, il est monté avec Forest, tu prends Danso, il est prototypé première ligue, même Grady dans l'intensité, tu prends un Abdoul Samed qui est quand même un joueur qui ressemble quand même beaucoup à un Cheikh Doucouré qui s'est vraiment imposé à Palace jusqu'à devenir vraiment potentiellement une recrue de Liverpool, un Eli Wahi qui est pour moi aussi prototypé première ligue. Donc en fait t'as vraiment, je pense, déjà dans l'équipe là du Racing Club de Lens des joueurs qui ont le niveau pour jouer en première ligue. Donc sur des individualités et sur le collectif, je pense qu'on peut vraiment poser des problèmes à cette équipe d'Arsenal, nonobstant le contexte de Ligue des Champions et d'inexpérience de Ligue des Champions de l'effectif. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, comme l'a très bien dit Youl, il faut absolument pas avoir un complexe d'infériorité demain. Et je pense qu'en jouant à 100%, il y a vraiment quelque chose à faire.
Guillaume, de ton côté, toujours difficile hein, d'analyser ce football fiction puisque tout se passera dans les prochains jours. Mais selon toi, est-ce que les deux matchs sont liés? Est-ce que la rencontre de demain aura-t-elle forcément un impact sur celle de dimanche? On a vu par exemple quand même que le match de Séville avait inspiré d'une certaine façon la victoire lensoise face à Toulouse. J'ai tendance à penser que non. Ok. Justement, je le disais la semaine dernière, ce que j'avais adoré dans la semaine qui s'était écoulée, c'était qu'on avait joué tous les trois matchs, donc le match contre Metz, hein, où on a perdu, le match à Séville et le match contre Toulouse. On avait l'impression que c'était les trois, on avait joué trois matchs de la même importance. Je pense que ce sera pareil cette semaine. Et même un mauvais résultat contre Arsenal ne va pas nous vénaliser pour préparation du derby de dimanche. Parce que de toute façon, le résultat logique, s'il y a un résultat logique, les bookmakers le disent aussi. C'est Arsenal qui doit s'imposer demain. Après, c'est le football. Mais donc demain, si on perd, ce sera pas infamant. Après, il y a la manière. Effectivement, il y a l'étendue potentiellement d'une défaite s'il y a défaite. Mais je pense pas que ça va impacter le groupe pour dimanche, parce que justement, il y aura une remobilisation assez naturelle. Le derby, tu vas pas te lamenter sur peut-être une défaite si défaite y avait contre Arsenal. Hein, je veux dire. Faudra justement, ce sera une belle occasion de continuer en championnat, puisque c'est une compétition différente, et puis voilà, de passer à autre chose si, comme je dis, mais moi je suis pas convaincu qu'on va perdre, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je pense pas les matchs soient liés. Après, dans la rotation des joueurs, bien entendu, il y a des joueurs, ceux qui seront titulaires, certains en tout cas, pourront peut-être pas reproduire trois matchs dans la semaine, ça c'est autre chose, mais moi, faut bien séquencer les choses, et je pense que Francaise, justement, il a une bonne approche par étape. On mélange pas les objectifs. Vas-y Antoine, tu as acquiescé sur ce que disait Guillaume, tu sembles d'accord, tout simplement. Oui, non, je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que oui, je pense que tout le board a encore une fois été clair, et je pense que j'ai vraiment le sentiment, comme je disais tout à l'heure avec l'intervention de Joseph Bourlian sur l'after, j'ai vraiment pas l'impression qu'on nous raconte des bobards. C'est-à-dire que cet été, ça a été clairement dit, l'objectif, c'est de jouer la Ligue des Champions à fond et d'être compétitif en championnat. Et je pense que voilà, la construction de l'effectif a été faite pour jouer les deux tableaux et sans non plus trop rêver sur les issues dans les deux compétitions. Mais je pense que le match d'Arsenal sera préparé enfin, le match d'Arsenal a été préparé et le match de Lille sera préparé indépendamment, sachant qu'il faut aussi quand même. On a un peu de chance sur le calendrier, c'est-à-dire qu'on joue mardi le match d'Arsenal et on rejoue dimanche le match de Lille, Ouais. ce qui fait quand même une coupure de 4 jours pleins. 4 jours pleins, on est quand même pas loin d'un rythme de saison sans Europe. Donc, dans un sens, je pense que des joueurs peuvent. En plus, il n'y a pas de déplacement. Je pense qu'un titulaire Arsenal qui joue 80 minutes avec full intensité pourra reproduire une partie pleine contre Lille dimanche. Ouais, bah, je vais rebondir exactement sur ce que tu as dit en me dirigeant vers Thomas. Il aussi joue l'Europe cette semaine, un déplacement chez le club féroïen de Klaksvík en Ligue Europa Conférence. Long trajet, terrain synthétique, moins de jours de repos, donc évidemment. Lens peut-il en profiter, Thomas, de ton côté, ton avis, pour terminer? Lance-toi en profiter. Ouais. Mais c'est pas ça qui va faire basculer le match dimanche à Derby. Je pense que tout ce qui se passait dans la semaine sera oublié et tout est remis à zéro avec l'intensité qu'on aura pour un Derby qui malheureusement, même si on les aime pas trop, sera sans supporters lillois et c'est pas ce qu'on aime voir. On aurait aimé qu'ils soient là et que nous on soit là-bas aussi au retour. Entre parenthèses. Et voilà donc. Un derby, on va devoir le gagner, peu importe ce qui se sera passé cette semaine. Nos pronostics, messieurs, sur ces rencontres. On va d'abord faire Lens Arsenal, puis on fera Lens Lille. Yul, je commence par toi. Pronostic Lens Arsenal, ton avis? Ah, c'est dur, hein. Moi, j'aimerais bien voir la revanche du match retour, hein. Moi, je vais dire, allez, 2-1 Lens. La revanche, on y croit, là. Franchement, Okay. là, il faut y croire. Il faut y croire. Il mérite d'être là, hein. On n'a pas à les respecter, hein. On mérite autant qu'eux. Hein. Guillaume, de ton côté, ton prono, mouille-toi. Un partout. Thomas, à toi. Ouais, je reste sur mon 2-1. 2-1. Et Antoine, pour terminer. 2 partout. 2 partout. Et allez, glissons vers Lancy. Youl, je reviens vers toi. Quel est ton pronostic pour ce match de dimanche? Allez, moi, je mets 3-0 là. Je mets 3-0 pour Lens. Allez, c'est signé. Guillaume, t'es du même avis? Moi, je mets un partout. Un partout. Thomas, à toi. 2-0.
2-0. Et puis Antoine, pour terminer cette émission. Moi, je pense très sincèrement qu'on va gagner 3-1 contre Lille dimanche soir. Il y a des buts, messieurs, il y a des buts. Hein. C'est sur ces pronostics que je vais siffler la fin de cette 12e émission de la saison. Merci, Yul, de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. Merci pour tes anecdotes, tes avis. Merci, messieurs, pour vos excellentes analyses. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire un tour également, encore une fois, sur notre site culture100etor.com. Et surtout, ne manquez pas, messieurs, le rendez-vous de ce mardi soir, l'Européen, l'émission de Culture 100 et Or spéciale Ligue des Champions. Yul est déjà chaud, il écoutera, hein, c'est autour de 23h15 l'émission, Yul, si jamais tu veux écouter. Ah non, 22h15 pour toi de l'autre côté de la Manche. Et sinon, on se retrouve évidemment, hein, comme tous les lundis, lundi prochain pour notre émission hebdomadaire. Salut à tous, salut messieurs. Salut à tous. Salut. Salut à tous.